La coutume a été respectée dans la province Tchoulolaba. Les femmes venues des tous bords de la capitale mondiale du cobalt ont répondu à l'appel des autorités provinciales Tchoulolaba pour commémorer la journée du 8 mars. Toutes des noirs vêtues ont recommandé à travers une prière les femmes de la partie est de la République démocratique du Congo qui subissent injustement les atrocités orchestrées par les Rwandais et ses partenaires. La première à s'illustrer, c'est la directrice de la fonction publique, Marie-Louise Moussinga-Mafo, qui, avec des mots justes, a imploré la grâce divine pour ses semblables. Voici toutes les mamans du Lualaba en train d'élever leur voix vers toi, Seigneur. Pour l'amour de Sion, je ne vais pas me taire jusqu'à ce que l'aurore paraisse. À la manière de la reine Esther, la commissaire du gouvernement provincial du Lualaba en charge du genre famille et enfants, Nathalie Lundangando, fondue en larmes, a adressé les prières des supplications en faveur des femmes de l'Est. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de mon pays, la RDC. Restons la paix, restons la paix à l'est de notre pays. C'est par des cantiques d'adoration et la collecte des fonds que cette activité s'est clôturée.